Me voilà dans une bien drôle de situation. Pourtant, la carte indique bien de faire deux pas sur ma droite, hein? Quoi? Oh! Ah ben oui, j'ai tourné sur ma gauche! Ah ben c'est que j'ai toujours de la difficulté à distinguer la gauche de ma droite et aujourd'hui je dois me dépatouiller avec ça car je voudrais bien voir ce qui se cache dans le coin le moins visité du théâtre des Deux Rires. C'est mon patron, Monsieur Guy, qui m'a dit d'aller y chercher LE coffre. Puisque je ne savais pas où il se trouvait, il m'a tout dessiné sur ce papier. Comme une carte qui mènerait à un coffre avec un trésor caché. Et moi, j'adore les trésors cachés. Je me sens un peu comme Piou, le pirate dans l'île au trésor. Ah, l'île au trésor, vous connaissez? Ah, l'île au trésor a d'abord été un livre écrit il y a très longtemps. Vous savez, les livres, ça donne souvent des idées à des artistes qui vont en faire un film ou un dessin animé ou une pièce de théâtre. Dans la pièce de théâtre L'île au trésor, vous allez rencontrer Léonie. Oh, Léonie. Ok, quel joli prénom. Bon, alors, le papa de Léonie n'a pas le temps de lui raconter des histoires. Qu'à cela ne tienne, elle va se raconter ses histoires à sa façon. De sa chambre, Léonie va se retrouver sur un bateau. Et puisque c'est elle qui invente son histoire, elle va mettre des jupes de ballerine à des pirates. Elle va aussi apprendre à affronter ses peurs et à se faire confiance. Car quand on parle trésor, trahison et supercherie ne sont jamais bien loin. Ah, quelle aventure! Et j'en sais quelque chose. Mon grand-père Léonard était marin. Pour rire, on l'appelait Léonard le calmar. Et dans la pièce L'île au trésor, le marin qui fait la cuisine, on l'appelle cochon rôti. Oui, je vous assure. J'ai oublié ma chasse au trésor, hein, le mystérieux coffre. Bon, continuons. Deux pas à droite. Un, deux. Oh, et ben, le coffre d'outils que j'avais perdu. Ah ben ouais, on n'a plus les trésors qu'on avait. Mais peu importe, pour moi, le vrai trésor, c'est de vous voir, mes petits trésors. Hein? Alors, matelot, matelote, spectaculaire Léon vous dit, contre vents et marées, voguons vers le théâtre des Deux Rives, où nous nous embarquerons tous ensemble, destination l'île au trésor.